Je suis devenue musicienne, je pense, à partir de la naissance. Je peux dire que j'ai lu la musique avant de lire les mots. Cette façon de pouvoir s'exprimer à travers des sons, c'est devenu une sorte de joie de vivre permanente. Aborder une partition, c'est pour moi une sorte de voyage. Voyage pas seulement dans le temps, parce que souvent ces partitions viennent de très loin, et c'est un voyage dans l'esprit de quelqu'un, dans ce qu'il a voulu dire, dans ce qui le préoccupait, dans ce qu'il aimait. Et je fais une espèce de grande ligne vers moi, et peut-être même vers l'espérance de ce qui pourrait être après moi. Donc je trouve que faire de la musique, rencontrer des musiciens, c'est ignorer une forme de réalité du temps, mais vivre en fait dans quelque chose qui est infini. Et donc ça donne énormément de joie de pouvoir se retrouver seul, en tête à tête, avec que ça soit Mozart, que ça soit Beethoven, mais que ça soit aussi un compositeur d'aujourd'hui. J'avais besoin d'exprimer quelque chose qui venait vraiment du fond de moi, qui était vraiment très proche de mon cœur, de mon ventre. Et donc, j'ai commencé par faire des improvisations et puis de développer ça en improvisation partagée avec des autres musiciens, à écrire des choses qui n'étaient pas des notes définies, mais qui étaient des états d'âme, des états d'esprit dans lesquels j'invitais les musiciens qui avaient envie de partager avec moi, et bon, dans ce cas, énormément, les musiciens de l'ensemble Hermès, qui sont ceux que j'aime le plus, parce que c'est avec eux que j'ai partagé le plus, et en plus que je trouve qu'ils sont des musiciens extraordinaires. Chaque jour encore, je me dis, ah, je suis chanteuse, mais il y a ce lien d'amour, de trouver cette ligne, quoi. Hop, je m'unifie. Comme je suis assez émotionnelle de caractère, j'ai ressenti ça comme ma ligne de conduite, mon trait rouge, ce qui me porte. Et j'espère que dans le son, ça porte aussi les gens qui écoutent. Parce que c'est ça que je voudrais donner. En fait, en dehors du personnage, de la musique et tout ça, je voudrais donner, on y va, quoi. Haut les cœurs, quoi qu'il arrive, on va y aller, on va faire quelque chose avec ce temps qui nous est donné.